Chers amis, nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci de nous assister à cet instant béni alors que nous sommes en train d'étudier ta parole. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci de nous accorder la sagesse. Et continue à nous enseigner. Car nous aimons apprendre de toi. Car il y a du bonheur à apprendre de toi. Alors reste avec nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion, c'est toujours avec cette même joie et bonheur que je vous accueille et que je vous souhaite la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à nous instruire encore aujourd'hui. Merci à vous d'être là et soyez bénis. Nous allons commencer notre réflexion en lisant dans le livre tragique des siècles, page 178-179. Il est dit, les fidèles serviteurs de Dieu ne travaillent pas seuls. Alors que les domination, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants de la lieu céleste se liguaient contre eux. Le Seigneur ne les oubliait pas. Si leurs yeux avaient été ouverts, ils auraient vu de même que le prophète Élisée des preuves manifestes de la présence et du secours de Dieu quand son serviteur lui montrait les armées ennemies qui les entouraient et rendaient inutile toute tentative de fuite. Le prophète s'adressant à Dieu avait prié: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les cohortes célestes étaient là pour protéger l'homme de Dieu. C'est ainsi que les anges veillaient sur les ouvriers de la réforme. Alléluia. Fin de citation. Maintenant, toujours dans des siècles, maintenant par les 79. Hein. Quand des ennemis puissants s'unissaient pour renverser la foi, quand des milliers d'épées semblaient prêtes à sortir du fourreau pour la faire disparaître, Luther écrivait ceci. Satan fait éclater sa fureur, des pontifs impies conspirent, et l'on nous menace de la guerre. Exhortez le peuple à combattre vaillamment devant le trône du Seigneur par la foi et par la prière, afin que nos ennemis vaincus par l'Esprit de Dieu, soit contraint à la paix. Le premier besoin, le premier travail, c'est la prière mes amis, que le peuple sache qu'il est maintenant exposé au tranchant des épées et aux fureurs du diable et qu'il se mette à prier. Fin de citation. Amen. Mes amis, la justification par la foi cette grande vérité que Luther avait redécouvert est le fondement de l'Évangile et de la vérité sur laquelle repose notre espérance du salut. Son hymne, c'est un rempart, exprime avec force l'Évangile. Seuls nous branchons à chaque pas. Notre force est faiblesse, mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur C'est toi, divin Sauveur, Dieu des armées. Des tribus opprimées connaissent leur libérateur. Numéro 358. Maintenant passons aux questions du vendredi. Comment expliquer l'équilibre entre la grâce et la loi, entre la foi et les bonnes œuvres? Selon vous, pourquoi est-il si facile de laisser notre esprit glisser vers le légalisme? Comment définiriez-vous le légalisme? Pourquoi est-ce si préjudiciable à notre foi chrétienne? Y a-t-il des dangers si le concept de salut par la grâce n'est pas bien compris Où peut-on mener ce malentendu Que veulent dire certains lorsqu'ils utilisent l'expression ⁇ grâce bon marché ⁇⁇ La grâce est-elle bon marché Comment votre communauté et votre culture perçoivent-elles les saintes écritures aujourd'hui de quelle manière diriez-vous que le respect des Écritures dans votre contexte religieux/spirituel particulier fait partie du grand conflit? Quelle est votre contribution personnelle à la défense des Écritures dans votre communauté locale dans le cadre du grand conflit cosmique? Comment pouvez-vous être un Wycliffe, un Tyndale ou un Luther dans votre contexte religieux/spirituel? À toutes ces questions qui nous sont posées. Je demande vraiment au Seigneur de vous accompagner par son esprit dans votre réflexion. Chers amis, en résumé de la leçon de cette semaine, Satan emploie plusieurs stratégies pour minimiser la valeur de la révélation spéciale de Dieu. L'une de ces stratégies consiste à amener l'humanité à douter de ce que Dieu révèle dans sa parole. Mais après que la parole de Dieu se soit avérée vraie, à maintes reprises, le diable a redirigé son attention vers sa stratégie principale, rendre les écritures dépendantes de l'interprétation humaine et de la tradition. Ce changement s'était produit parmi le peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Ainsi, à l'époque du Nouveau Testament, certains d'entre eux avaient du mal à accepter Jésus, non pas parce que les écritures n'étaient pas claires, mais parce qu'ils voulaient filtrer la parole de Dieu à travers leur propre tradition. Vous pouvez lire chez vous Marc chapitre 7 verset 1 à 13. Ainsi, le diable avait atteint son triple objectif, abandonner les commandements de Dieu et annuler la parole de Dieu. Au départ, tout comme pour les juifs, la tradition peut être bien intentionnée. Mais si elle n'est pas soigneusement réglementée par les principes bibliques, la tradition finit par donner naissance à l'essence même du péché. La suppression de l'autorité de Dieu, une tentative de le contrôler, et l'établissement de l'autorité humaine sur celle de Dieu, son royaume et sa révélation. Toujours Marc chapitre 7, 1 à 13. L'établissement de la tradition sur la parole de Dieu démolit le but et le sens même de la révélation spéciale de Dieu qui est de révéler son vrai caractère, ses desseins et ses plans, et de révéler le chemin de la rédemption. Au lieu de l'amour de Dieu et du salut par la grâce, les gens apprennent à suivre les instructions des experts religieux et à suivre un chemin pénible de salut. Matthieu 23, verset 4. Tout comme Christ, mes amis, les premiers chrétiens avaient répudié la tradition et réinterprété les écritures selon le sens prévu. Jean 5 verset 39 et 40, Luc 24 25 à 27, Acte 2 14 à 32. Plus tard cependant, les chrétiens suivirent l'exemple du judaïsme et développèrent leur propre interprétation des écritures éclairée par divers présupposés culturels, politiques ou philosophiques. À l'époque de Luther, les écritures et leur interprétation étaient fermement entre les mains du magistère de l'Église. Selon leur autorité, la Bible était trop divine et trop sainte pour être interprétée par des gens ordinaires. Tout comme les scribes l'avaient fait à l'époque de Jésus, les prélats, les prêtres et les érudits catholiques romains, sous prétexte de préserver l'identité et l'unité de l'Église, affirmaient qu'il n'est pas donné à tout le monde de lire et de comprendre la Bible. Leur refus de communiquer les écritures au peuple avait entraîné un manque de vraie connaissance de Dieu et un manque de spiritualité ayant des résultats désastreux. Par conséquent, l'absence de vérité biblique conduisit à l'activation rampante du péché. Et peu après, l'Église revendiqua l'autorité et le contrôle sur Dieu, sur son royaume et sa voie de salut. En raison de cette trajectoire, L'Église, tout comme les dirigeants juifs, d'autres fois, imposait une nouvelle voie de salut, celle par les œuvres. Selon cet enseignement, les gens sont sauvés à travers et par l'Église en faisant ce qu'elle leur dit de faire. Ainsi, la doctrine de l'Église fut transformée en une observance des rites hiérarchiques et sacramentales. Tandis que la doctrine du salut fut transformée en une acceptation de la pénitence et des indulgences. Dieu fut privé du moyen même qu'il avait créé pour atteindre directement tous les peuples, c'est-à-dire la Bible, les Saintes Écritures. Mes amis, en établissant le principe de la Sola Scriptura, les réformateurs protestants s'étaient élevés contre cette stratégie démoniaque opérant au sein de l'Église. Les réformateurs avaient établi que les écritures étaient la seule forme de révélation spéciale que Dieu donnait à l'Église à cette époque et que les gens devaient être autorisés à écouter Dieu directement en lisant la Bible eux-mêmes. La sola scriptura ne signifie pas que les réformateurs protestants avaient exclu toute autre forme de connaissance, telle que la raison, les arts ou l'expérience. Ce que les réformateurs voulaient dire par la sola scriptura, c'est que l'écriture, est la révélation autoritaire de Dieu qui façonne notre vision du monde, nous disant qui il est, ce qu'il a fait, qui nous sommes et ce qui nous est arrivé à la chute. De plus, mes amis, les Écritures révèlent comment Dieu nous sauve et ce qu'il attend de nous. Ainsi, l'autorité des Écritures est au-dessus de l'autorité de l'Église et de celle de toute autre autorité humaine ou forme de connaissance. Donc, quel que soit L'Église et son autorité, la parole de Dieu est au-dessus de tout cela. Alléluia! C'est la parole de Dieu qui a créé l'Église et non l'inverse, mes amis. Le principe de la sola scriptura est directement et inséparablement lié à l'établissement d'un autre principe, la sola gratia, la sola fide. Quand Martin Luther avait lu la Bible sans le filtre de la tradition, il y avait découvert le vrai caractère de Dieu et sa véritable voie du salut. Alléluia. En conclusion, dans les Écritures, les protestants avaient découvert le message central que Dieu voulait communiquer à l'humanité au milieu du grand conflit cosmique. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de justice et non un tyran. Même lorsque nous nous étions rebellés contre lui, il est venu mourir à notre place. Il nous a offert le don de sa justice afin que nous puissions être rétablis dans son royaume lorsque nous acceptons ce don par la foi. Amen, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci, merci pour cette semaine d'étude. Oh, vraiment, nous sommes heureux, nous sommes comblés, nous sommes contents. C'est une bénédiction pour nous d'étudier ta parole en ce temps de la fin. Cela apporte de la joie, du bonheur, de l'amour à nous. Et cela nous motive à pouvoir partager vraiment cette parole avec amour, avec délicatesse, c'est vrai. Oh Seigneur Dieu, encore merci pour cette semaine d'étude. Alors que nous terminons cette semaine, j'aurais aimé que tu puisses continuer ton œuvre de transformation de salut dans le cœur de tous ceux qui ont écouté ta parole et qui ont participé avec nous à l'étude de cette leçon. Oui, je les remets entre tes mains, Père éternel. Et s'il te plaît, au nom de Jésus, viens les visiter. Et par ton esprit, je t'en supplie, continue l'œuvre que tu as commencée, afin que nous puissions être agréables à toi et que nous puissions atteindre l'objectif qui est le salut, la vie éternelle, c'est-à-dire vivre avec toi pour l'éternité. Bénis tes enfants, bénis tous ceux qui n'ont pas encore accepté ton Fils Jésus, et que ton esprit continue à les convaincre, afin qu'ils acceptent ton Fils comme sauveur personnel. Merci de nous bénir, de nous garder, de nous faire du bien. Et merci de nous préparer pour la semaine à venir. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen, amen, amen.